Ce centre, réalisé sur haute instruction royale, est une structure à dimension nationale, unique en son genre en Afrique. Mobilisant des investissements de l'ordre de 324 millions de dirhams, il est édifié sur une assiette foncière de 3605 m² avec une surface couverte de 12 000 m². Il permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire de la capitale du royaume, comme il confortera la place de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, pépinière de compétences et structure de dimension nationale, en tant que structure de formation du personnel de santé et de recherche médicale de pointe. Le centre de cardiologie s'articule autour de quatre grands secteurs, notamment un bloc technique, un service de cardiologie interventionnelle, un service de cardiologie non-invasive et un service de chirurgie cardiovasculaire pour enfants et adultes. Sa conception et son organisation ont été établies conformément aux standards internationaux en la matière, de telle sorte à garantir une certaine synergie entre les différentes disciplines médicales, interventionnelles et chirurgicales qu'il regroupe pour un maximum d'efficience et une prise en charge médico-chirurgicale complète de toute la pathologie cardiovasculaire. D'une capacité hospitalière de 120 lits, le centre de cardiologie est doté d'équipements à la pointe de la technologie qui en font un établissement de soins et de formation de premier choix et une structure médicale de référence tant sur le plan national que régional.